C'est Lucille, mon petit machicoulis. Nice. Oh, tu peux pas comprendre, toi. Et vous avez encore fait le coup de la migraine hier soir? Mais non, face de congre. Elle a trouvé un nouveau travail. Alors du coup, elle s'occupe plus de moi. Forcément. Faut vivre avec son temps, capitaine. Les femmes, ça travaille de nos jours. Et c'est quoi son nouveau travail? Spilaliste. Oui, ouais, un truc comme ça, enfin médecin de la tête. Quoi? Elle écoute des gens allongés sur le divan du salon et ça les guérit. Elle guérit des gens? Même que ça marche drôlement bien. Le salon, il désemplit pas. Ah! Mais faut arrêter ça tout de suite, capitaine! Elle me vole ma clientèle! Est-ce que je guéris des gens, moi? Bah, quand elle a décidé quelque chose, Lucille, y a rien qui peut la faire changer d'avis. Et c'est qui porte la culotte chez vous? Hein? Il vous va drôlement bien, votre nouveau kilt, capitaine. Ouais, tu trouves? Il me boudine peut-être un tout petit peu, là, non? Non, pas du tout. On a bien fait de l'attaquer, ce galion écossais. Ce que vous êtes beau, capitaine. Pourquoi ne pas essayer de parler avant de frapper? Utilisez votre cerveau parfois, réfléchissez, pensez, monsieur Bolaf. Pensez, moi, pas comprendre, madame Lucille. C'est normal, ça fait toujours ça au début. Je vais faire ma petite sardine argentée. Salut, Bolaf. Qu'est-ce que c'est que cette jupe ridicule? Les carreaux, ça te grossit. Apprends, chère Lucille, que ça n'est pas une jupe ridicule, mais un kilt. Les plus valeureux guerriers écossais en portent. C'est un habit de fête, un signe de noblesse. Et est-ce que le noble et valeureux guerrier peut aller faire quelques courses? Il n'y a plus de croquettes pour sac à main. Oui, oh, pff, ouais. Tu pourrais marcher, espèce de gros fainéant. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon gentil petit croco? Oh, regarde! Avec cette marque, on peut gagner un séjour à vie sur une île. Hardi Moussaillon, gratte les trois cases et si tu découvres trois têtes de mort, cette île paradisiaque est pour toi. J'imagine ça, gamin. Une île rien qu'à nous. Tout frais est payé. Allez, je gratte. Trois têtes de mort, trois têtes de mort. Trois têtes de mort, trois têtes de mort. Une tête de mort, une tête de mort. Une jambe de bois. Et ben quoi? Il faut mettre toutes les chances de son côté. Regarde, on a gagné une île frafra radisiaque. On va partir de cette fichue île de la tortue. Regarde, il y a les trois têtes de mort. Là, regarde, on a gagné. On va partir. Partir? Partir un jour, on revient pas. On quitte tout, on s'en va. C'est pas une blague ou un jeu idiot? Va vérifier la pirate des jeux, mon gros cachalot, je t'en prie. Tu sais comment tu es, tu t'emballes, et après t'es déçu. On quitte tout, on s'en va. Et c'est bien ici le guichet de la pirate des jeux? C'est à quel sujet? Je voudrais savoir si ce paquet est bien un paquet gagnant. Moi, personnellement, je sais que j'ai gagné, mais c'est ma femme, vous comprenez. Faites voir ça. Alors, j'ai gagné, oui ou non? Oui, je ne vois pas d'anomalie, tout est en règle, félicitations. Vous pouvez pas mettre un petit coup de tempo, là, pour prouver ça, hein? Vous savez, c'est pour ma femme. Mais, oh, attention, elle est pas si fort! Gardez-le précieusement, il vous servira à récupérer votre lot. L'île Croc-O-Croc, ça a été spécialement conçu pour toi, ami pirate. Ta famille et toi logerez dans un luxueux bungalow de 300 mètres carrés.
Sur Croc ou Croc, tout est fait pour votre bon plaisir. Pour toi, ma petite Scampi, il y aura une thalasso spéciale jeune et pour mon petit bigorneau à moi, un manège de la mort. On va quitter l'île de la tortue pour des vacances. Non, pour toujours. Moi, je suis pas chaude. Ça démarrait bien, ma petite entreprise. Ah, toi et ta spinalise, là, puisque je te dis que t'as plus besoin de travailler. À quoi ça sert que je prenne des cours par correspondance, alors? Ah, c'est fini, tout ça. Ton diplôme tout neuf, tu peux le mettre au feu. Allez, maman, tu verras. Tout sera mieux là-bas. Je ferai 34 tours de manège par jour. Allez! L'heure du départ a sonné. C'est une nouvelle vie pour la famille Mad Bernick. Sac à main, touche pas au paquet gagnant. Là, au moins personne ne viendra nous le voler. Donne-moi le paquet, bigorneau. Tiens pas. Doucement, c'est précieux. C'est jamais qu'un paquet de croquettes pour Croco. Oui, mais un paquet gagnant, ma petite Scampi. Là, voilà. Bon, on rebouche. Après que je sois remonté. Ben, faut le dire, il périt, enterré avec un paquet de croquettes pour Croco. Maintenant, tu peux reboucher, bigorneau. Le temps de régler 2 ou 3 bricoles. Et dans 3 jours, on est parti. Bye bye, la tortue. Bonjour, Croco-Croc. Dans 3 jours. Les copains, ils vont être verts quand ils vont savoir ça. Pas la peine de le crier sur tous les toits. Ça va faire des jaloux, bigorneau. Justement, c'est ça qui est bien. Non, il vaut mieux rester discret. Eh oui, bande de pirates avariés. Dans 3 jours, je verrai plus vos sales faces de murènes édentées. Mais on peut le voir, ton fameux paquet gagnant. Pas si bête, le Victor. Je l'ai planqué sous ta jupe. Non, c'est malin. Qu'est-ce qu'il nous prouve que c'est vrai? Vous verrez bien, bande de nouilles aquatiques. Allez, les dilous, c'est ma tournée. T'as déjà une ardoise de 456 turtles, Victor. Eh ben quoi? C'est pas tous les jours qu'on gagne une île. Toi, mentir. Moi, taper toi. Et la paix et amour, Olaf. T'as déjà oublié? Pensez. Trop dur, pensez. C'est la dernière bailleur. Après, je ferme. Ah, c'est un truc qui me manquera. Alors, Mad Bernick, il paraît que tu nous quittes. Eh oui, mon petit Erwin. T'as devant toi le gagnant du gros lot des croquettes à Croco. Et tu pars quand? Dans 3 jours, le temps de régler 2 ou 3 bricoles. Je te rachète ta maison. Il me manque un local à poubelle. Ça va mettre combien? Je te la fais à 300 turtles. Hop là! Payable de suite. Le gros lot, le gros lot, le gros lot. Lucille, tu sais pas, cet abruti de le requin m'a racheté la maison pour 300 turtles. Pénélope vient de m'en proposer 600, Victor. Papa, papa! Quoi? Pilon vermoulu! Nom d'un galion rafistolé. On ne peut donc plus partir. Je te revends ta maison pour 1000 turtles, Mad Bernick. Il y a un traître parmi nous. On était les seuls à connaître la cachette. Qui a intérêt à ce que nous restions? Pas moi, j'ai un exposé la semaine prochaine. Ni moi. Les garçons d'ici sont tellement lourds. C'est lui! Il a horreur des voyages! Lucille, t'as pas honte? Accuser une pauvre bête sans défense?
maman. C'est vrai, j'ai pas envie de partir. Mon affaire marche de mieux en mieux. Les clients se bousculent, ils ont besoin de moi. Ah, des clients, t'en trouveras d'autres. Et puis à moi d'abord. Allez, ma petite sardine argentée, tu verras. Ce sera bien, hein? Les enfants seront heureux de partir. Tu voudrais quand même pas gâcher leur plaisir. Et puis si on part pas maintenant, eh ben on partira jamais. Ah, je m'y vois déjà. Au soleil, les doigts de pied en éventail. Boire, manger, dormir. Oh, dormir. Ça, comme ça, je l'aurai toujours avec moi. Non, arrête, sac à main, tu vas nous faire repérer. Aujourd'hui, dernier jour d'école, je ferai des bêtises. Elle pourra même pas me coller, mademoiselle Lanchois, puisqu'on part. Sacré bigorneau, hein. Et maman, elle a toujours pas digéré? Bon, elle s'y fera. Attention, la voilà. La 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 la, la la. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucille? T'as l'air de très bonne humeur. T'as pas oublié qu'on partait, hein? Non, non, et je me suis même dit que là-bas, je pourrais monter un nouveau cabinet. Et de quoi j'ai besoin? Mon divan, une chaise et des clients. Ah, j'aime mieux ça. Non, lâche-moi, sac à main! C'est pas très pratique, ça, quand même. Surprise! On a fait une petite sauterie pour fêter votre départ, capitaine. Oh, vraiment? Oh, c'est trop gentil, fallait pas. C'est pas tous les jours qu'on se débarrasse de son capitaine. Tenez, on s'est tous cotisés. Un petit cadeau d'adieu, quoi. Non, mais vous êtes fous, non? Non, fallait pas faire de frais. On en a pas fait. Oh. Oh. Allez-y, capitaine, essayez-la. Magnifique. Et ça? Je l'ai fait spécialement pour vous, capitaine. Oh, formidable, ma fille coulisse. Formidable. Comme ça, vous ne m'oublierez pas. Ah, oh, bravo, ma fille coulisse. T'as vu ce que t'as fait? Figure-toi que c'est avec ça que je pars, moi. Ah, oh, décidément, t'en rates pas une. Ben, heureusement, les trois têtes de mort sont intactes. Tu dors pas, mon chéri? Nien! Je surveille mon paquet gagnant. Je serai pas tranquille avant notre départ. Salut, Pop! Oui, salut. Où je mets ça, maman? Dehors, avec le reste. Tu devrais le ranger quelque part, ce paquet. Tu vois bien que ça t'encombre. Mieux pas des chaud. Allez, papa, dépêche! Les clients vont pas tarder! Tout de même, tout vendre. Je me demande si c'est bien prudent. Du passé, faisons table rase, Lucille. Bonjour, capitaine. Alors, ça marche les affaires? Tu vas bien me prendre quelque chose, la sardine. Mais c'est pas un cadeau d'adieu qu'on vous a fait? Hein? Non, c'est une trompinette, ça, une trompinette. Mais toi, Sprat, y'a rien qui te fait envie, c'est pas cher. Et je viens pas pour ça. Et je veux voir votre femme. Elle est là. Qu'est-ce que tu lui veux? Et je viens en consultation. Non. Oh, j'ai toujours dit que t'étais malade des boyaux de la tête, Sprat. C'est par là. Approchez, approchez. Venez faire des affaires en or. 20 tortales de lance-boulette de précision. Approchez, approchez. Ne fatigue pas, frangin. Qui voudrait des trucs déjà récupérés dans des poubelles? Alors, les filles, on trouve son bonheur? On veut racheter toutes tes affaires pour les casser après. Eh, vous voulez pas voir ma boîte magique? Qu'est-ce qu'elle a, ta boîte magique? Mets ta main dedans, tu verras. C'est vraiment vrai? Vous partez? Ben ouais, on part. Profite bien de moi, c'est la dernière fois que tu me vois. Je t'achète tout, Scampi. Ça me fera des souvenirs. Ça fait 50 turtles.
Hé, hey, Hercule, ça aussi, c'est un scampi. 34 turtles. Oh, saleté croco. Il a failli bouffer le gros loup. Allez-y. Allez, montrez un peu comment vous faites, vous qui guérissez si bien. Mais c'est à vous de me dire ce qui ne va pas. Ah, oh, mais moi, ça va. Je suis médecin, alors vous pensez... C'est un bon début, continuez. Dégage de là, toi. J'ai un client pour le divan, Lucille. Oh non, Victor, pas le divan. Ben quoi? On a dit qu'on voyait tout. Pas mon divan, c'est mon outil de travail. Sans lui, j'arrive plus à rien. Bon, bon, ça va, je te laisse. Vous partez déjà? Ouais, et j'en sais plus qu'assez maintenant. Bien, la purée de poulpe, c'est quand même meilleur chaud. T'as vendu la cuisinière pour dit Turtle. Hé, hey, papa, ton paquet gagnant, tu l'as mis où? T'inquiète pas, fiston, il est en sécurité. On peut dormir avec vous pour notre dernière nuit. Oh, ça me fait tout drôle de quitter cette maison. Ça t'excite pas un peu? Oh si, t'as raison, Scampi. C'est comme si on repartait à zéro. Madame Lucille. Hein? C'est pas moi. N'avancez pas, monsieur McBernick. Sinon, je le mange. Fais pas ça, petit. Je te donne tout ce que tu veux. Non, ne mange pas, Hercule. Il y a de la peinture chimique dessus. Je m'en fiche, madame. Je veux pas que vous partiez. Je supporterai pas de plus voir Scampi. Doucement. Doucement, là, là, là. Tu vas gentiment poser le paquet par terre, hein? D'accord? Et tout va bien se passer, hein? D'accord? J'ai rien à perdre. Je veux un bateau devant le ponton dans 5 minutes et je veux que Scampi vienne avec moi. Nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, ça te fera du bien. Je le mange. Non! Pilon vermoulu! Mais fais quelque chose, Scampi! C'est notre île qui va manger! Hercule, si tu lâches ce paquet, je te promets de t'écrire tous les 6 mois. Tu jures sur le grand livre des pirates? Ouais, et sur la tête de Bigorneau en prime. Ça va pas, non? Alors c'est vrai? Doucement, doucement. Ah, oh. Toi, tu peux dire que tu m'en auras fait faire des trucs incroyables. Moi. Le voilà qui parle à un paquet de croquettes à croco maintenant. Et en kilt par-dessus le marché. Tu pourrais venir avec nous, maman. Pour que ton mari me débarque sur la première île déserte, merci bien. Elle lit dans mes pensées, la belle-mère. Alors, c'est fini. Ah, voilà, oui. T'oublie pas, hein, Scampi. Une lettre tous les 6 mois. C'est ça, compte dessus. Tout de même, ça va me faire drôle de ne plus les voir. Je suis bien certain qu'ils seront de retour avant la nuit. Eh ben, tu peux attendre, Irvine. Ah, ça te fait mal que ce soit moi qui ai gagné l'île paradisiaque. Allez, c'est pas tout ça. On a de la route. Là, on dit les amarres. Ici, la grand voile. Oui.
Vera. On est la famille McBernick. Oui, c'est nous qu'on a gagné le concours des croquettes à propos. Vous avez vu, hein, trois têtes de bord. Ah, bienvenue, gentil colon. Alors, où qu'il est notre bagalot de 300 mètres carrés? Et nos serviteurs? Voici votre lot, monsieur McBernick. Quant aux équipements que vous voyez autour de vous, il faut payer. C'est pas gratuit. Hein? C'est ça l'île qu'on a gagnée? Et la thalasso anti-acné? 100 turtles de l'heure. Et le manège de la mort? 34 turtles le tour. La location du bungalow fait 300 turtles la semaine. Les boissons ne sont pas comprises et pour la douche chaude, il y a un supplément de 45 turtles. Bienvenue à Croc-Croc-Croc, petit vénard. Allez, ma petite sardine argentée, du sang, quoi? Plus je suis loin de toi, mieux je me porte, monsieur le gagneur d'île paradisiaque. Dis pas, on va rentrer à la maison. Ben bien sûr que non, fiston. Tu imagines la honte devant Irvin? Et puis on n'a plus de maison. Allez, allez, poussez. J'y suis presque. Coucou, ma petite sardine argentée. C'est moi, ton gros cachalot. N'insiste pas, Victor, je ne te parle pas. Mais on va jamais revenir. Eh non, Bigorneau, c'était notre dernière apparition. À moins que tout le monde nous réclame, bien sûr.